Mon premier métier, j'étais moniteur de voile. Donc c'est il y a longtemps, c'était dans le début des années 70. J'ai fait ça une quinzaine d'années, et puis après j'ai fait plein d'autres métiers. Et au milieu des années 90, je ne voulais plus être salarié. Donc mon idée, c'était de m'installer. Et dans quoi ? Pour moi, c'était naturel d'être dans l'eau. Et les algues, à l'époque, ça me semblait quelque chose d'avenir, parce qu'on en faisait quasiment... Enfin, c'était historique, la récolte, mais je voulais faire de la culture et de la récolte, de la transformation, ça faisait très peu. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans, d'abord comme salarié. J'ai commencé en 98 comme salarié, et puis après, le temps de m'installer, l'installation définitive, ça a été en 2003. Je voulais faire de la culture, il faut avoir un diplôme, c'est obligatoire. Brevet professionnel responsable d'exploitation aquacole, ce qui m'a permis d'avoir des concessions en mer pour cultiver des algues à Medmer au Guilvinec. Pour être récoltant d'algues, il n'y a toujours pas de formation parce qu'on n'a pas de statut officiel écrit dans le code rural et de la pêche maritime. Donc il y a des organismes de formation qui proposent des pré-formations où on explique un peu ce qu'est le métier, mais il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme pour récolter des algues, alors que pour la pêche à pêche de coquillage, par contre, il faut passer un diplôme obligatoire. Le syndicat, on l'a créé. Donc il y a eu les premières autorisations en 2003, 2004, 2005, et on s'est aperçu qu'à l'époque, ceux qui menaient là-dedans, c'était l'administration, le comité régional des pêches et les entreprises de transformation. Donc les récoltants, on n'était pas consultés, donc on ne savait même pas qui prenait les décisions, etc. Donc on a formé un petit groupe de 6 entreprises en 2005, où on s'est dit, il faut qu'on soit partie prenante de la récolte, c'est comme nous les producteurs premiers. Donc s'ils nous demandent des récoltes alors qu'on sait qu'on ne peut pas les faire parce que par exemple il n'y a pas d'algues, il y a eu du mauvais temps, ça a été arraché, donc il faut qu'on les voit au chapitre. Et c'est comme ça qu'on a décidé de monter le syndicat qui a été créé en 2008. Et donc le but c'était la défense de la profession, de nous, de nos entreprises, la préservation de la ressource et l'installation des jeunes. On va dire plutôt primo-installant. On a décidé de se prendre en main dans la profession et de dire qu'on existe et que s'il y a des décisions à prendre, c'est pas l'État de les prendre sans nous consulter ou au comité des pêches, ou il faut qu'on tienne compte de nous. Ça fait partie aussi de... Et dans le syndicat, il y a une douzaine de personnes qui sont vraiment actives et c'est intéressant.